Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que cette vidéo, je l'ai faite avec mon amie Roxane, on était en appel, mais au final vous m'entendez pas dans cette vidéo, mais vous n'entendez pas non plus mon amie Roxane, donc au final vous n'entendez personne. C'est pour ça qu'on se retrouve en voix off. Mais donc, dans cette vidéo, il me semble qu'on fait un cache-cache. Donc en fait, je vais surtout vous mettre de la musique et je vous mettrai des voix off dès qu'il y aura besoin de dire quelque chose. Mais pour l'instant, je disais, montre-nous tout ce que tu sais faire en très sage. Et puis ensuite, je vous montrerai moi ce que je sais faire. Donc elle, elle a que le passage. Et moi, j'ai le piaf, le passage et la pirouette. Donc je vous les montre là, même si vous les connaissez déjà. Passage comme elle. Et pirouette. Franchement, la pirouette, elle est trop belle. Bref, voilà. Donc on se retrouve après. Donc vous aurez. Dès que vous entendez parler, c'est toujours en voix off. Parce que du coup, vous n'entendez pas. Voilà. Et donc là vous allez voir que moi je tourne en rond parce que c'est moi qui commence à compter. Elle est partie. Et moi, pendant ce temps, alors nous on se dit, par exemple j'ai demandé tu vas dans quelle zone? Elle a dit 2, du coup je lui ai dit ah bah ok, bah, alors je me tourne. Donc voilà. Et en fait, nous on se dit dans quelle zone. Alors, la zone 2, on se dit plutôt soit vers le manège, soit on se dit à la fin. Et après, sinon, pour les autres zones, on se dit vers où. Donc là, elle a dit zone 2, elle a dit qu'elle était cachée, mais au final, ça l'a fait scanner, les écuries. Ceux qui savent pas ce que ça veut dire, prenez. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bug et ça la ramène d'un coup là aux écuries. Du coup, moi je suis partie dans la troisième zone et je vais aller les deux. Donc là, j'ai vu que c'était la quête sociale. Donc, du coup, je sais pas si je la cherche. Il me semble ouais, que j'étais partie faire la quête sociale. Du coup, j'ai dit attends, moi je vous fais la quête sociale. Elle, au début, elle a dit qu'elle allait faire et au final, non. Il semble qu'elle a fait ça. Donc, vous voyez, moi je préfère la faire parce que ça me rapporte des black cards. Donc, voilà. Je sais pas quoi faire d'autre. Désolé, j'ai vraiment un peu bizarre. Enroué. Donc là, j'ai cru voir pendant un instant que c'était un delphin. J'ai dit, t'as étoile? Et parce que je croyais que c'était elle, mais non, en fait, c'était une autre fille. Qui avait quasiment la même tenue que nous, même je crois la même tenue. Voilà. Donc pour l'instant je fais la quête sociale et du coup on se retrouve après.
Donc, à ce moment-là, vous allez voir que je coupe la vidéo puisque je suis arrivée à 75 pommes, donc je ne voyais pas l'utilité de continuer. Et donc, Roxane, mon amie, est partie se cacher puisque du coup, on a dû couper tout à l'heure. Donc là, j'ai reçu une notification parce que il y a une vidéo qui sortait à ce moment-là. Donc, de ma chaîne en plus. Donc voilà. Et donc là, vous allez voir que je vais partir à sa recherche. Donc voilà. Donc elle est de la deuxième zone. Donc là, vous allez voir que là, c'est de gauche et de la droite. C'est de droite. Regardez dans l'eau, la vidéo en direct, ceci en Roxane elle pourrait tricher. Allez voir dans les trucs. Donc au passage, il y a un moment aussi dans la vidéo on dit qu'on fera une vidéo meilleure cachette. Et non, c'était les bugs. Oui, les bugs pour par exemple le bug que je viens de faire. Enfin, je pense que Roxane doit encore plus que moi. Oui, là j'ai dit. Attends, je disais que tu me paies. Du coup, j'ai dit que j'étais dans la zone 2 vers le Nadège. Et voilà. Et là, j'étais en stress. Au mode, si jamais elle arrive, qu'elle me voit. Sachant qu'à ce moment-là, le seul moyen qu'elle me voie, c'est mon prénom. Parce qu'elle voit pas mon prénom, elle veut pas vu moi. Parce que là en fait, je sais pas si vous avez compris, mais j'étais sous l'estrade. Enfin, sous l'estrade. J'étais en mode, mais comment je fais, comment je fais. Oui, j'avais bien qu'il est passé, ça peut pas venir. Voilà.
la petite tête qui dépasse, avec l'aile. Le petit genou. Enfin, la petite patte. Oh, quelle partie c'était? Et là, elle a dit trouver. Je t'en veux quoi? Mais t'es où? Et là, j'ai regardé en l'air et elle était juste en haut. Et voilà. Et du coup, j'ai décidé de spawn. Et ça, c'est tout. J'ai spawné aussi pareil. Du coup, c'était à elle de se cacher. Et alors, je sais pas ce que je fais. Ah oui, il me semble qu'elle m'avait demandé, mais comment t'as fait pour aller sous les strades? Enfin, sous les... Du coup, j'ai dit, mais suis-moi. Ah oui, t'es là, tu me suis. Et du coup, j'ai montré qu'il y avait juste son passage, je vous montrer un peu aussi. Faire ça, la démonter, se mettre à côté, coller au mur, à siffler, à appeler son cheval avec le sifflet. Et à monter dessus. Et moi, ce moment-là, il avait la petite tête qui dépassait. Et voilà. Et j'ai dit, parce qu'à ce moment-là, il me disait, et après, je te montrerai pour aller sur la map. Et j'ai dit, bah oui, bah il y a juste à aller dans le trou, moi aussi, je connais. Oui, parce que clairement, là, on est sous la map. Hein. On n'est pas sûr. On est dessous. On voit l'eau. Elle, ça le fait spawn. Moi aussi, passage. Donc voilà, voilà, je sais pas. Ah oui! Ah non, c'est pas spawn là. J'ai remis. Là, j'ai regardé le club. Le petit, petit club. Donc, Fenichon, c'était moi sur mon compte à ma mère, sûrement que j'étais connectée en même temps que je jouais sur ma tablette et que je faisais une vidéo. Aucune logique, même. Voilà, voilà, je sais pas du tout ce que je vous disais. Peut-être qu'on était bientôt au niveau 2. Et d'ailleurs, on est toujours bientôt au niveau 2. Normalement, on a fait 1900 points, un truc comme ça. Voilà, voilà. Et donc là, c'était à elle d'aller se cacher. Et voilà. Donc là, il me semble que je disais que j'allais me connecter sur le compte à ma mère pour que sur le compte à ma mère je les rejoigne. Donc voilà, en face, voilà, c'est moi. C'est pour ça que sur le compte de ma tablette, donc à Midjourien, je ne bougeais pas parce que Phoenix et Chance là, avec la beauté noire. Donc à ce moment-là, mon cheval, je l'appelle Raven. Donc je montais Raven, donc je pouvais pas bouger les deux en même temps. C'est un petit peu galère. Mais donc voilà. Voilà, j'ai plus trop après. Donc, regardez, je fais bouger Fédichon, donc sur un vidéo, je ne bouge plus. Je suis statique. Sachant que je montais à cru, tranquille. C'est ça qui me fait rire, parce que depuis que j'ai le pass VIP, je monte que à cru. C'est-à-dire, avant, à chaque fois, je mettais un filet et une selle à chaque chevaux, sans mettre forcément les gâtres et le bonnet, ça, je le mettais hyper rarement. Mais j'étais obligatoirement obligée d'être une selle et un filet. Je crois à chaque fois j'ai monté avec une selle et un filet. Mais maintenant j'aurais mis un filet à tous et puis basta. Hein. Comme ça j'ai pas besoin d'acheter 10 000 trucs, j'achète juste. Enfin, vu que moi au début dans son état, on m'avait demandé de porter 15 filets en corde là. Et ben du coup j'en ai plein des filets. Et avant je disais tout, mais si seulement on pouvait les vendre, ça me sert à rien, moi perso ça me sert à rien. Mais maintenant bah, ça me sert. Donc là on a rejoint la club privée, la room privée du club.
je sais même plus pourquoi, mais bon, voilà. Donc là, c'est joue sur Mi. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai décidé, vu que tout mais c'était à moi sur Ami Joiner de compter. Mais j'ai décidé de jouer aussi sur Phoenix Chance. Mais du coup, Phoenix Chance. Mais si c'est Ami Joiner qui compte, Phoenix Chance, c'est moi aussi. Du coup, si je me cache avec le compte de Phoenix, je vais appeler Phoenix Ami et Adel, hein, ce sera plus court. Si je me cache avec le compte de Phoenix, si Phoenix elle se cache, sachant que c'est moi qui la joue, et ben Abby, vu que c'est moi aussi qui la joue, je vais savoir où est-ce que Phoenix s'est caché. Du coup, c'est nul. Je l'ai dit à Roxette que c'était nul. Et du coup, elle m'a dit oui, bah au pire, pour cette partie, tu la joues pas et dès que ce sera à moi de compter, tu la joueras. C'est plus logique comme ça. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Du coup, là, vous voyez Phoenix Chance de la côté qui attend ça, je m'en prie de l'envoi. Ok, donc elle est prête ou elle est pas prête, vu que du coup on nous entend pas. Si seulement vous m'aurez entendu rien qu'à moi, enfin je veux dire, j'ai expliqué quand même à peu près ce qu'elle disait, donc au final vous auriez un peu mieux compris. Bon, du coup là je crois qu'elle est cachée. Donc le fil pour la retrouver. Donc elle me disait vers la troisième dans le château. Enfin vers le château, troisième zone. Donc elle est pas à trouver. Je fais des bitules. J'ai un doute parce qu'on m'avait fait une partie où elle m'avait dit je suis pas dans le château, je suis à côté, mais je suis aussi dedans. Enfin, elle m'avait dit, je sais pas si on considère ça comme dedans ou dehors. Mais, ah non, il me semble qu'à ce moment-là, elle était pas prête. Du coup, moi, j'ai essayé de voir si ça marchait aussi ici. Je me suis dit, si jamais ça marche, comme ça, je pourrais le faire à la prochaine partie. Mais au final, du coup, elle était prête, du coup, j'ai dû retourner les clés pour que Phoenix m'envoie. Ou pas. Je sais pas trop si elle est cachée, du coup, au final. À moins qu'elle ait une grosse pose aux écuries. Je pense qu'elle est la pose aux écuries. Ouais, parce que là, clairement. Ça prend trop de temps. Heureusement que je vous ai mis de la musique. Voilà. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Vous allez peut-être entendre, je suis pas sûre avec la musique, mais le Bomba est en train de manger des croquettes. Alors là, je sais pas trop si je cherche ou pas. Si juste je m'abuse à retirer le téléphone. Je sais pas plus ce que je fais. Je sais pas quoi dire. Ah, je me décide enfin d'y aller. Donc, peut-être que là, elle a fini de se cacher. Oui, je pense qu'elle a fini de se cacher, sinon je ne vais pas mettre le temps comme ça. Donc, elle a fini de se cacher, sûrement qu'elle m'a dit qu'elle est vers le manège. On va prendre des réflexes, aller voir dans les coins, ce genre de trucs. Et là, sauvé. J'étais sauvé. Et Cali. Après de côté. Du coup, je vais me cacher sur ce point. Et là, c'est parti pour une énorme partie. C'est-à-dire que j'ai pris 3 points à me cacher là-bas. C'est-à-dire que, en discrétos sans lui dire, j'ai décidé de plonger, tu vois. Parce qu'elle a dit
En fait, avant, juste avant que je la trouve, dans la partie, elle a dit, il me semble que c'était à ce moment-là, qu'elle a dit Ah, moi, une fois, je jouais à cache-cache avec une autre fille, j'ai changé mon look et mon nom. Et j'ai dit, mais juste pour la partie, t'as changé ton nom. Sachant que ça coûte 10 diamants de changer de nom. Pour au final, qu'elle se réappelle Adelflamme. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'elle ait fait ça. Bon, c'est Roxane, quoi, voilà. Des fois, elle est tellement bizarre que je la comprends pas. Désolée, Roxy, mais bon, c'est un peu vrai, hein. Clairement, changer de tenue et tout pour ça, voilà. Mais du coup, vu qu'elle elle m'avait dit, il me semble que ça avait marché, qu'elle a eu du mal à la trouver, j'ai décidé d'essayer. Donc moi, j'ai changé de cheval en premier. Et vous allez voir qu'après, je décide de changer de tenue. Alors moi, j'ai pas voulu changer de nom parce que j'ai trop peur probablement de ne pas retrouver Abby Joyner. Et aussi parce que ça coûte 10 diamants, donc non merci. Parce que 10 diamants pour changer de prénom et 10 diamants si je retrouve Abby Joyner après, ça fait 20 diamants. Donc au total, je serai à 129 au lieu de 149. Bof, bof. Donc voilà. Donc là, j'ai décidé d'essayer quelques petites techniques. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas descendre de cheval dès que j'étais en l'air. Enfin, j'ai hésité, je savais pas trop quoi faire. Donc je vous laisse qu'avec la musique, puisque la voix off, ça ne sert à rien pour l'instant, vu que je n'ai rien à dire, sauf que je faisais que chercher. Et je lui disais, attends, j'ai pas fini. C'est bon, je peux y aller. Ah mince, non, attends, j'ai pas fini. Enfin, je faisais que ça. Bon, on se retrouve une fois que j'ai fini, hein, parce que bonne chance pour regarder tout ça. Mince, c'est vrai que vous voyez que celui de la tablette. Donc j'ai aussi dû me cacher sur l'autre compte. Mais vous voyez au passage que je change, donc comme je l'ai dit, ma tenue. En tenue de double et en tenue complètement moche. Des cheveux noirs. Si ça va bien marcher. Voilà, donc je change aussi mon t-shirt. Là, à ce moment-là, j'ai trop hésité, mais je me suis dit, ce t-shirt, il est joli. Et c'est un t-shirt de double quand même. Donc je mets ça. Après, j'ai mis un pantalon de gros double, clairement. Voilà, allez. Si je veux bien. Allez, change. Voilà. Donc là, j'enregistre. Et je reste cachée au même endroit, hein. Et donc voilà. Je crois que c'est à ce moment-là où j'aurais dû mettre sur pause. Parce que je veux dire que là je me cachais sur l'autre compte. Donc sur le compte de Phoenix. Bon ben vous avez juste à attendre. Voilà voilà. On se retrouve juste après. Une dernière petite chose pour ceux, alors là vous allez voir qu'il ne se passe rien pendant un long moment, donc avancez la vidéo à 27 minutes et 30 secondes parce que je ne sais pas encore comment on fait pour couper en plein milieu de la vidéo, donc avancez jusqu'à 27h30 et à ce moment là je commencerai à bouger. Voilà. Faites ça si vous n'avez pas envie d'attendre 3 heures pour rien.
Donc, je commence à parler que maintenant parce que si vous êtes arrivé à 30, je pense que c'est un peu bizarre que je commence à parler à peine arrivé à 30. Donc là, vous voyez que je commence enfin à bouger. Mais pendant ces quelques minutes, je crois que je me cachais sur l'autre compte. C'est pour ça que je ne bougeais pas. Mais j'aurais pu mettre sur pause. Clairement, je ne sais pas ce qui m'a empêché de mettre sur pause, sachant que j'avais une nouvelle application où je peux mettre sur pause. Donc je vois pas pourquoi j'avais pas mis sur pause. Mais bon, voilà. Ce n'est pas grave. Donc là, je regarde si elle arrive. Et je n'ai pas l'impression de la voir. Sachant que pour cette partie, je sais pas si je le dis maintenant, mais bon, voilà. Je lui ai proposé de faire en sorte que, en fait, une fois qu'elle me trouve, il faut qu'elle me touche. Enfin, qu'elle me touche, qu'on ait l'impression, en tout cas, qu'elle me touche, parce que clairement, sinon, elle me transperce. Mais voilà, enfin, elle me traverse plutôt en plein dedans, là. Elle peut me foncer dessus, ça me fait rien. Mais bon, voilà. Et donc, il faut qu'elle fasse ça. Qu'elle me touche pour. Et qu'elle touche moi, et qu'elle touche mon cheval une fois qu'elle nous a trouvé. Pour dire vraiment que. Qu'elle nous a trouvé, quoi. Enfin, voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai mon pote Baptiste qui envoie coucou. Merci Baptiste. Mais je crois pas qu'il regarde ma chaîne. Donc, pareil, il ne regardera jamais. Mais merci Baptiste. Voilà. Donc, voilà, voilà. Ça prend 3 plombes. Parce que du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de repartir me cacher. Je voulais me cacher avec mon cheval au final. Donc, j'ai pris mon cheval. Je ne pouvais pas le démonter, donc je suis avancée. Je pouvais, maintenant je ne peux plus. Voilà. Là, je pouvais le démonter. Le démonter. C'est bizarre de dire ça, mais bon. Donc là, il ne m'a pas suivi jusqu'à là. Et là, je lui ai demandé, enfin plutôt ordonné, parce que je pense à moi, hein, de faire quoi? Ah, sûrement que je voulais le monter. Et qu'il y a eu un bug, je suppose. Et donc, il faut pas venir à moi. Du coup, j'en retournais aux écuries, pas faire ça. Parce que clairement, je savais pas du tout comment me cacher. Donc pour ce temps j'ai envie de dire donc je vais couper la voix off parce que pour ce temps je n'ai rien à dire. Voilà voilà. Donc à ce moment-là, c'est mon. Enfin, quasiment, j'ai envie de dire dernier essai. Parce que là, je mets repos. Mais du coup, ça fait ça. Et en fait, je sais pas si c'est moi qui clique sur écurie. Non, je pense pas. Sinon, ça n'a pas fait ça. Et en gros, ça me fait. Attention, 3, 2, 1. Spawn aux écuries. Donc voilà, mais du coup, Bali, il est à moitié enfoncé dans ça. Donc, clairement, c'était une bonne cachette pour lui, mais à cause de moi, on verrait trop. Sachant qu'il y avait mon petit personnage, là, même si je l'ai changé, ça se voit quand même pas mal. Hein. Donc, j'ai décidé d'aller dans la flotte. Voilà. Parce que clairement, dans la flotte, on a un peu plus de cachet. Hein. Voilà, et j'ai dit que c'était bon. Mais moi, j'étais en mode. Faites qu'elle ne me trouve pas. Et du coup, vous allez voir que je vais regarder la vision de haut. Et qu'après, je suis dégoûtée parce que regarde, en regardant la vision de haut, je la cherche.
Là, je vois son pet courir. Et là, je vois Azelflamme qui était à côté de moi. Et elle a dit toucher. Trop bien touché, quoi. Enfin, j'étais en mode dégoûtée parce qu'au final, j'aurais pas fait la vision de haut. Pareil, je l'aurais vu venir et j'aurais réagi, j'aurais couru. Enfin, pareil, j'aurais échappé. Mais du coup, j'ai dit à ce moment-là qu'il fallait quand même qu'elle trouve mon cheval. Mais j'ai dit, attends, ferme les yeux. Parce que d'abord, je vais monter dessus parce que je pouvais pas le faire bouger du coup. Donc là, elle a fermé les yeux. Je lui disais, ferme les yeux, hein, tu fermes les yeux. Tu triches pas, tu fermes les yeux. Voilà. Et donc à ce moment-là, je suis retournée aux écuries, j'ai pris le bada et je suis partie me cacher un petit peu plus loin parce que du coup le bug ne pense pas en fait, si je suis pas sûre. Donc je priais juste pour pas qu'elle ait triché, qu'elle me voie pas surtout. Voilà. Et à ce moment-là, je lui ai dit, c'est bon. Et donc j'ai refait la vision de haut comme une idiote. Et là, vous allez voir. Là, en fait, je suis en mode, est-ce qu'elle me voit ? Elle me voit ou pas ? Et du coup, là, je repars. J'aurais jamais dû faire ça, mais je repars sur la vision de haut. En plus, je fais tout le tour pour qu'au final... Non, c'est pas trop... je sais pas. Ah oui, elle m'a dit qu'elle regardait plus. Donc là, je repars sur les autres. Ce que je n'aurais jamais dû faire. Ou pas, je sais pas. À la fin, donc moi je suis dans la rue, je vais bouger, je bouge. Ça prend trop peu. Je suis en mode, t'as un tourneur. Vous voyez mes chevaux en plus aux écuries, ils bougent la queue en temps. On voit Tempête, Bella et au milieu c'est Lyria. Tempête, Lyria, Bella. Bella, on la voit au moitié. Donc là je repars. Ah ben là elle bouge. Du coup vite je me remets comme ça, mais je suis en mode. Est-ce qu'elle me voit? Est-ce qu'elle me voit? Je ne sais pas où elle est. Et là je suis redescendue parce que je la voyais pas. Et là, je me suis poussée vers là. Ah non, je crois qu'elle m'avait déjà touché alors. Ah non, elle m'a pas touché justement. Et c'est là que ça commence. Parce que du coup, moi je trace pour essayer de me donner. Ou alors elle m'avait trouvé. Elle m'avait touché. Non, je crois qu'elle m'avait touché. Oui, que j'avais été surprise et tout en mode. Oh, mais je t'avais pas vu. Mais je suis deg. Il me semble que j'ai dit ça. Du coup, à ce moment-là, je me mets en mode vision pour voir. Pour avoir un bon compte. Pour que vous voyez. Donc, vous voyez derrière la maison, vous voyez mon cheval, mon Craven. Et Félix chance, donc je pense que vous voyez. Non, je ne suis pas VIP sur le compte à ma mère, mais je sais pas pourquoi ça m'affiche le signe comme moi je suis VIP. Bon, moi les autres, ils voient que je suis VIP. Hein. Enfin, s'ils vont pas sur mon compte. Pour voir mon profil. Donc à ce moment-là, en plus, elle était passée et elle m'avait pas vu. Et là, elle a dit, ah, mais trouvé et touché. Et du coup, j'ai dit oui, mais maintenant il faut que tu trouves mon cheval. Donc j'ai dit ferme les yeux. Tu fermes les yeux, hein. Parce que je vais le monter du coup. Donc ferme les yeux. Ah non, elle m'avait pas touché. Elle avait pas réussi à me toucher. Mais du coup, je ne gérais pas les deux. À ce moment-là, j'ai presque, on va dire, entre guillemets, éclaté de rire. Parce que j'ai dit, mais j'arrive pas à gérer mes deux comptes. C'est pour ça que vous voyez, je trifouille. À un moment donné, je m'arrête et tout. Ouais, j'essaye. Elle est passée derrière la cabane pour essayer de me barrer la route, mais elle n'est pas ici. Et du coup, j'étais en mode. J'ai trop peur, elle va me voir. Je stressais à mort qu'elle me voie, quoi. Parce que si elle me voit, bah, je suis fichue. Je suis fichue. Donc, on la voit en plus qu'on écrit. À ce moment-là, 3 heures après, elle passe. Et que c'est deux pets qui l'a su. J'adore. Moi, sur un phénix de chance, je n'ai pas de pète. Donc, voilà. Mais du coup, je suis désolée, vous n'avez pas beaucoup d'images de moments avec phénix. Mais je n'arrivais pas à gérer les deux comptes. J'étais tellement stressée. Ah, mais elle repasse. Elle est en mode, je vais chercher ma jument. Pourquoi elle n'arrive pas? Et en fait, la jument, elle était là. Sa jument, elle l'a suivi. Purée, t'es sérieuse, Roxy? Parce qu'à ce moment-là, elle disait, je vais chercher ma jument, je vois pas pourquoi elle arrive pas, et je sais pas pourquoi, elle me suit pas.
Et moi j'ai dit, mais si, elle te suit. Et du coup, elle a aussi vu, enfin voilà. Et du coup, au final, je crois qu'elle est retournée aux écuries et du coup, elle a retrouvé. Mais moi, du coup, ça m'a fait rire parce que de base, voilà, hein, elle était pas censée être comme ça. Ah oui, d'ailleurs, sur le compte de finition, j'étais retournée aux écuries pour prendre mon cheval, pour être sûre d'être avec mon cheval. Parce que du coup, je crois qu'elle avait même pas touché mon personnage, mais elle a pas non plus touché mon cheval. Donc il fallait qu'elle touche les deux. Sachant que si j'étais à cheval, moi j'ai pas de Pégase sur le compte Fénichos. Et donc elle était obligée de galoper sur son cheval, au pire. Mais elle avait pas le droit de voler. Ça c'était la triche. Que voler, clairement, on va pas se mentir, ça va beaucoup plus vite. Je me suis chronométrée en vol ou en galopant avec le même cheval. C'est beaucoup plus rapide en volant. Donc là, vous voyez que je passe là. Je suis en mode. Parce qu'elle ne trouve pas. Donc pourtant, vous ne bougez pas. Et comme je vous ai dit, désolé, hein, mais j'avais du mal à gérer les deux comptes. Et je disais à Roxane et tout. À Roxy, je lui disais j'ai du mal à gérer les deux comptes. La vidéo est fait pourrie sur ce genre de passage. Notamment, vous voyez les petits pets trop beaux. Moi, je veux surtout des tigres. Mes préférés, c'est des tigres. Les tigres fantasy qui chantent d'un coup. Trop stylé. Le seul fantasy que j'ai eu, c'est une biche. Une biche. Bon, après, je dis pas le contraire. Elle est pas moche, quoi, mais bon. Yami. Du coup, là, j'ai essayé de bouger. J'ai pas trop réussi. Donc bah, j'ai pas trop de trucs à vous dire, hein, mais voilà, voilà quoi. Donc là je me décide enfin à bouger, donc j'ai vu un peu par Roxane partir, je sais pas si vous l'avez vu. C'est la belle femme de Cap Junior qui m'a touché, voilà. Du coup je lui dis, je peux te donner un indice. J'adore. Moi, je crois que j'étais encore en pirouette à ce moment-là. Comment je galope? Enfin, pas en pirouette. Un petit galop contre. Ou alors, c'est juste parce que j'ai du mal à manœuvrer. Pardon. À ce moment-là, je vous dis, vous avez vu? Je sais bien gérer, non? Et juste après, j'ai eu une galère pas possible où j'arrivais plus à bouger. Je faisais n'importe quoi. Tu veux? C'est pas là. Tu veux? Non, non, mais. C'est moi, je veux te donner un indice. Si tu veux, je vais bien te donner un indice, mais si tu le dis. Allez, c'est bon, non. Je sais pas trop si j'y avais dit à ce moment-là. Ah voilà, je pense que j'y ai dit à ce moment-là. Que... Vu que là, d'un coup, je fais demi-tour, c'est bon, je l'aurais suivi. Et j'ai dit bien devant nos polypètes. Tu me vois? Allez, viens. Je vais te donner un indice. L'indice que je peux te donner. Je peux pas te donner plus d'indices que ça. Et là, voilà, c'est là que j'ai eu la galère où j'arrivais pas à me positionner. Voilà, c'est ça. Après, elle est partie. J'ai pas dit ce qu'elle fait. Là, vous allez rester un long moment après comme ça. Mais on va rire. Donc, je vais rester en voix off. Parce que. Là, du coup, au final, moi, j'étais dans le manège. Du coup, il y a eu une course-poursuite, vu qu'elle devait me toucher. Du coup, il y a eu une grosse course-poursuite, vous allez me voir. Ça, c'est avec Raven, donc vous allez voir passer Phoenix. Donc, moi, sur le compte de ma mère. Donc là, on voit le petit pet à Roxane qui est en mode... Mais attends-moi! Oh, mais je crois qu'il manque son petit tigre. Son petit... elle aussi, elle a un peu fait con, mais voilà. C'est pas exactement comme je. Voilà, vous m'avez vu passer et pas longtemps après, vous allez voir qu'il y a Roxane qui passe. Donc là, j'ai dit, attends, arrête-toi. Il a pas, oups, c'est pas par là. Attends, tu t'arrêtes. Hein.
Vous voyez qu'il y a Raven du côté gauche. Il y a Zell ici, là. Donc tous les deux sont arrêtés. Tout simplement parce que je voulais vous montrer, en fait, avec une vue un peu mieux que... Pardon. Voilà. Du coup, voilà votre vue jusqu'à quasiment la fin de la vidéo. Mais du coup, vous allez voir que je vais repartir. Donc souvent, vous voyez que les têtes. Là, je sais pas si vous voyez au fond, tout droit, là. Il y a une tête qui passe. C'est donc moi avec le compte de Raven. Enfin, sur Phoenix. Sur le compte de Phoenix. Et donc, plutôt creux que ça, mais là où ? Ça, je ne sais pas où elle est, vous voyez passer en bas. Je ne sais pas où elle est. Ah ! Elle s'était arrêtée. Je crois qu'elle n'a pas capté. Donc voilà, vous voyez les deux têtes là qui se suivent. Donc moi, à ce moment-là, j'étais déjà très stressée parce que dans ce genre de choses, je suis hyper stressée qu'elle me rattrape. Que les gens me touchent, je sais pas pourquoi, j'ai un stress horrible. Mais du coup, moi sur le téléphone, j'étais en mode vite, je stressais et tout. Mais je savais pas qu'elle était aussi proche de moi, je savais qu'elle était proche, mais pas à ce point là. Vous voyez là? Ah non, là, ah oui, là, elle a fait demi-tour. Vous la voyez à l'entrée? À l'entrée là, c'était pas sympa. Là. J'ai dit et tout, on continue de tourner en rond. Et elle, elle a décidé de jouer autrement. Donc là, moi je l'ai vue, du coup, j'ai vite fait demi-tour. Il me semble qu'à ce moment-là, elle m'a touché. Vous voyez passer, il n'y a pas de club. Oh, et là, elle refait. Là, elle a refait. Je ne sais pas du tout où je suis. Je crois qu'on n'a pas fini. Vous voyez des femmes à l'entrée. Mais alors, Raven, Phoenix, elles sont où? Ça. Ah là. Parce qu'elle a dit tout touché. Et là, j'ai dit, ben, viens, on va dire au revoir à la caméra. Du coup, là, j'ai dit, regardez comment il est beau, Bali. Parce que là, je me fais cabrer. Du coup, à ce moment-là, j'ai envie de le dire, mais non, c'est pas maintenant que j'arrête. Mais du coup, j'arrête la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez une application que vous utilisez où vous appelez vos amis et ils vous entendent en plus d'entendre votre ami alors que vous êtes en appel avec lui. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et de commenter. Surtout, la base, c'est de s'abonner et commenter. C'est deux trucs qui me font le plus plaisir. Mais du coup, là, vous allez voir qu'on fait le petit bye-bye. Et je crois, oui, c'est à ce moment-là, il me semble, que vous allez voir, à la toute fin, j'ai dit tout, la youtubeuse au milieu. Clairement, c'est la base. Celle sur qui on vous met la chaîne. Enfin, je veux dire, c'est la youtubeuse au milieu. Même si, bon, sur Phoenix, voilà. Et à la fin, vous allez voir que Adzeflam se met au milieu, en mode, c'est la fée au milieu. Mais à la toute fin. Du coup, vous l'avez à peine vu. Du coup, on arrête la vidéo là, et on vous dit à bientôt. J'ai dit, on arrête la vidéo là et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.